Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le contenu de My Sweetie Box. Alors comme pour ma Glossy Box c'est la dernière que je reçois parce que mon abonnement se termine ce mois-ci. Donc celle-ci j'avais commandé pour un trimestre et j'avais eu 11 euros sur l'abonnement trimestriel. Donc ce mois-ci elle est blanche. Et elle se présente, voilà donc. Contenu. Alors, il y avait pas mal de papier dedans. Donc d'abord le menu, ensuite un code de réduction sur des bijoux. Voilà, voilà jusqu'au mois de juin. Une petite carte, comme d'habitude. Alors je sais pas pourquoi ils m'en ont collé autant, mais j'ai trois bons de réduction avec le même code pour l'achat d'un épilateur e-flash. Donc de la marque Iswin. Alors sachant que moi j'ai déjà le Iwan que j'avais acheté il y a un certain temps déjà, ça doit faire 3 ou 4 ans. Et donc c'est un produit que j'utilise régulièrement et qui permet en fait d'empêcher la repousse des poils. Donc c'est relativement pratique. Ensuite il y a de la pub pour talons clip. Donc ça c'est un produit qu'on a dans la box. Donc comme je vous en parlais, je vais vous montrer tout de suite. Donc dans cette box, il y a 4 talons clip en fait. Donc un par taille. Donc en taille 1, c'est dans les tons un peu bronze, gris-bronze. En taille 2, noir. En taille 3, orange. Et en taille 4. Marron. Donc en fait ces talons clips c'est des embouts pour protéger le bout des talons. Alors sachant que moi j'ai pas trop de talons très très, enfin, très pointus, la plupart de mes talons c'est quand même relativement des talons relativement larges voire des chaussures décompensées. Donc bon je vais avoir une ou deux paires donc voilà. Donc mine de rien ces quatre protège-talons, ça coûte 19,80 €. Donc rien que ce produit-là, ça rembourse la box. Mais bon, personnellement, c'est pas un produit que je vais utiliser. Ensuite, en full size, il y avait une crème d'Oliva, enfin de la marque d'Oliva. C'est une crème pour le corps en 200 ml. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Donc cette crème pour le corps, elle coûte 8,60 €. Et donc ce qu'ils en disent, c'est adopter la green attitude de cette crème corps onctueuse pour tenter de séduire les hauts, les colos. Et sa maman, par la même occasion, technique d'approche non garantie, par contre, votre peau hydratée en profondeur et profite des bienfaits du karité et de la vitamine E. Voilà. Donc c'est à base d'huile d'olive en fait. Et donc de la même marque, on avait aussi en full size. C'est des perles pour le bain. Donc celle-là elle coûte 5 €. Donc perles de bain, caprice de star, toute sweetie qui se respecte exige ces 10 perles de bain à disposition pour buller après une longue journée. Détendez-vous et profitez des vertus indéniables de l'huile d'olive. Donc voilà. Donc deux produits de la même marque. Ensuite, en échantillon, donc en bonus, on avait deux échantillons de l'égyptienne magique. Donc c'est la fameuse crème dont on entend beaucoup parler, à tester, donc ça c'est pas mal. Ensuite, il y avait trois miniatures, donc ce qu'ils appellent le trio silicium. Ça, bon, il y a les prix des full size, ça c'est des miniatures. Donc il y a une crème pour le corps, agrumes et thé vert, un shampoing traitant à usage fréquent et un gel d'eau corps, agrumes et thé vert aussi. Donc il y a trois produits, ils font 30 ml chacun. Et enfin, il y a un produit make-up, donc c'est un blush de la marque Arc-en-Ciel. Et celui-là, il coûte 11,10 € en full size. Donc c'est un full size. Il y a une petite houppette. Et en fait, l'odeur est hyper. Ça sent super bon. Et en fait, la couleur, voilà. Je ne sais pas si vous verrez, ça se présente comme ça. Voilà. Donc c'est un rose.
un rose poupée. Voilà, avec une houppette toute mignonne. Et donc, texture poudre crème fondante, le teint rehaussé en un clin d'œil. Donc voilà, il y a un tutoriel beauté pour le blush au verso de la carte. Donc voilà les produits qu'on a eu. Donc globalement, sur cette box, bon... oui, enfin, autant celle du mois dernier m'a vraiment plu, autant celle-là, bon, je suis assez mitigée. Les talons clips, je les utiliserai pas parce que je mets pas de talons aiguilles, donc bon, voilà. La crème pour le corps, bon, bah ça, on en a toujours besoin. Les perles de bain, ça, vu que j'ai une baignoire, il y a des chances que je les utilise. Bon, après, ces miniatures, ça, c'est toujours pratique. Et puis bon, bah encore un blush. Ah, je vous ai pas donné la teinte. C'est Blush Frivole qui s'appelle. Donc, ouais, mitigé. Enfin, je suis contente. Bon, je veux dire, ça s'arrête et je suis pas déçue que ça s'arrête, quoi. Donc là, pour l'instant, je pense que je vais faire une pause avec ces boxes-là. Je me suis abonnée à ma boîte à beauté qu'on devra recevoir au mois de juin. Parce qu'en plus, je crois qu'on avait droit à un produit gratuit si on commandait avant le 26 mai. Donc du coup, je me suis laissée tenter parce que globalement, pour l'instant, ma boîte à beauté, c'est vraiment celle qui ne m'a jamais déçue. Donc on verra si la prochaine me décevra ou pas. Mais bon, là, c'est vrai que pour l'instant, les box, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc là, j'ai vraiment fait le plein, entre guillemets, de produits. Donc j'attends de voir, de diminuer mes stocks avant de me relancer dans les box. Et puis bon là en plus, je vais bientôt déménager. Donc pour l'instant, avec le changement d'adresse et tout ça, c'est pas... Enfin voilà, je ne vais pas me réabonner pour un trimestre ou un truc que ce soit. Parce que quand j'étais abonnée, enfin quand on m'avait abonnée à la jolie box, il y a une box qui s'est perdue quand j'ai déménagé. Donc bon... Voilà, pour l'instant, on va mettre la pédale douce sur les box et on va plutôt se concentrer sur terminer mes produits, en utiliser, enfin diminuer les stocks. Voilà, donc je sais pas si vous êtes abonné à la Sweety Box, bah dites-moi si vous avez reçu la même chose et ce que vous pensez de ces produits. Voilà, allez, à très bientôt, au revoir.